Eh Bien. bien, fort bien une fois. Ah, apparemment, Angel est devenu belge entre-temps. J'essaie de m'expatrier pour me rapprocher de Jeff, mais c'est compliqué. C'est compliqué, hein? Ouais, c'est une question de climat. C'est ça. Donc, ce soir, nous allons faire avec Angel un petit jeu en coop qu'à la base, on avait tourné une fois pour Andevic. Donc le didacticiel, enfin l'intro de Dying Light, et puis on n'a jamais retourné depuis, on n'a jamais rejoué au jeu depuis, et on a envie de rejouer, tu vois. Donc du coup on s'est dit, allez, vas-y, on va faire un live, et puis bonsoir, le jeu. En vrai, c'est moi qui ai harcelé Jeff. C'est pas faux. Vas-y, allez, vas-y, copain. Pas faux. Il avait très envie de faire un live, le petit cochon. Ouais, c'est. Le cochon de derrière. Oui. Ah oui, alors non, par contre, j'aimerais juste que tu te mettes en plein écran le jeu, ce serait plus sympa. Voilà. Qu'est-ce que j'ai branlé moi? J'ai mis continuer, je crois que c'était peut-être pas le bon plan. Si, ça doit être ça, mais après, il faut peut-être s'inviter. Non? Je vais me faire continuer aussi, hein, je t'avoue. Alors, ce qui est bien, c'est que ça fait combien de temps qu'on n'y a pas joué? Ah, je sais plus, je crois qu'on avait tourné l'épisode du prologue en avril. Oh ouais, je pense, donc ça ferait 2 mois qu'on n'a pas joué au jeu. Bah c'est ça en fait, on l'avait acheté pour tourner et faire des trucs en coop sur Andevic et en fait après. Ça. Alors après par contre, alors, comment ça marche après? Visibilité Reprendre. du jeu solo, merde. Donc ça veut dire déjà que ça c'est pas bon. Ouais, ça veut dire déjà là il y a un problème. En ligne, je vais bloquer le partage. Anonymiquement. Bah si, attends, anonymiquement. Ça veut dire que normalement. Attends, je vais voir si je peux t'envoyer une invite. Déjà, t'es en ligne au moins, hein? Oui, je Pas suis en une des ligne. pieds lourds. Ouais, ça va. Ah Oh, ah c'est ah ah. triste. Eh non, je peux pas t'inviter. Merde. Est-ce Comment qu'on je. n'aurait pas fini encore un truc qui nous permettrait de jouer Dynamite. en coop? Si, si, ah si, si, parce qu'on s'était rejoint, Mode non? coop. Vous avez terminé le prologue et le mode coop est disponible. Appuyez sur Escape pour accéder au menu du Ah, jeu. oui, d'accord. Vous pouvez trouver les joueurs connectés à eux. Essayez de combattre les zombies. Échappe fermée. Ok. Moi, je suis allé trop vite, en fait, j'ai pas lu le bordel. J'aurais peut-être dû le lire. Donc toi, t'as compris comment faire ou pas? En ligne, amis uniquement. Mode. Ah, mode multijoueur activé. Ah, voilà, matchmaking, parfait. Peut trouver des parties. Ou alors. Ah, voilà! Je peux rejoindre ou t'inviter. On fait Allez, quoi? invite-moi. Je t'invite. Oh putain, il est con ce jeu en plus. En fait, donc tu vois, t'as l'écran pour voir le mec et faire rejoindre ou inviter. Si tu cliques sur inviter, au lieu d'envoyer directement l'invite comme plein d'autres jeux, ça t'ouvre la page Steam pour que tu fasses l'invite. Bah sinon c'est pas marrant. Ah, il est con ce jeu. Alors, ce qui est génial, c'est que je sais déjà plus comment on court, comment on saute, comment on. D'accord, alors on fait avec ça. Ah, Angel. Tu es là. Alors, Drakkane, Angel, on le sait, je ne savais pas quel jeu faire en live. Ça pire. Bah, c'est vrai que ça fait un petit moment que je voulais faire un petit live avec mon ami Jeff, et puis bah, voilà quoi. Alors, donc là, on a une mission. Coupure de courant, faut parler à Spike. Bon, on va peut-être y aller, non? Mais quoi? Bah, écoute, ça me semble être une bonne idée. Alors, comment on va en faire? Parce que le truc, c'est que bon, alors, ça va, il fait jour. Apparemment, la nuit dans ce jeu, c'est une horreur. On va quand même éviter de se frotter à du zombie. Merde, ça marche pas. T'inquiète, j'ai fait la même. On va aller sur la voiture plutôt, tu vois. Oula. Mais ça marche pas! Comment on saute dans ce jeu? Pas un bouton pour. Putain, je sais plus comment on saute dans ce jeu. Y a quand même du monde, Ah hein. si, c'est ça normalement pour sauter. Ah oui, c'est parce qu'il faut courir. Ouais, mais c'était sur une voiture! Ça passe. Oh! Ça commence bien. Putain, y a du monde, hein. Ouais, effectivement. Oh, vous êtes fort jolis avec vos yeux rouges, les gens. Ils What? sont fort sympathiques. Est-ce que je peux faire ça? À mon avis, oui. De toute façon, on va tenter. Attends, juste je vais régler un petit problème de volume sonore, non, n'est-ce pas? Non, ça veut pas.
Ok, ça va, je suis en sûreté. Enfin, pas longtemps. Bon, tu sais quoi, tu te démerdes, ok? Ah bon? Passe-toi, toi, le sonson. Ah bon? Ouais. Ah bah d'accord. Hop. Ah ça commence comme ça quoi. Ça Bon. commence comme ça, ouais, tu vois, je suis quelqu'un de très sympa. Yeah! C'est quoi le truc vert? Ah, ça doit être l'abri. Ah bah oui, c'est l'immeuble. Ouais, d'accord. Ok, je revois. Je vois le bordel. T'as un chat qui parle de quel sujet? Oh bah du sujet que tu veux, hein. Nous on parle de tout et de rien, alors comme ça. Eh ben Fox, écoute, ça va bien, merci. Bonsoir, bonsoir aux gens qui sont là sur le live. Merci d'être venus. Très gentil. Très gentil à vous une fois. Putain, mais je sais plus comment fonctionne ce jeu, c'est génial. Donc ça, d'accord. Maintenez pour créer une compétition. Je m'en fous, pas envie. Oh, le bruit qu'ils font, les cochons. Jeff est passé par là et il y a un cadavre par terre. Non. Ah bon? Ah non. Merde. Attends, je change les liens, il fait une erreur. Est-ce que je peux sauter ce truc? Sauter qui? Oui, parfait. Voilà. Ah bah, Bonjour. y a des piélos. Ah, Ah, mais il se fout de notre gueule. bonsoir. Des piélos qui disent c'est quand qu'on fait GTA. J'avoue, il se fout de notre gueule. Mec, il est jamais dispo, puis Le VRP qui se fout de notre tête. Bon. Bah Angel, je t'attends du coup, hein, parce que moi je suis dans la zone de sécurité où il y a la mission. Je suis juste au-dessus là, en face de toi. Ah Là, oui. tu vois, dans l'espèce D'accord. de Ouais, mirador. je te vois, je te vois. Je te vois. Bon, on va essayer de descendre sans se faire dégommer. Oh, ça devrait pas être trop compliqué. De toute façon, ils sont lents, ça va, c'est le jour et tout. Ah oui, alors là par contre c'est un petit peu trop haut hein, pour que tu passes. Je fais le tour. Hein. Maintenant je suis plus libre ou maintenant je suis plus libre? Maintenant, je suis Si plus c'est libre, les gars. plus libre, c'est bien. Je suis plutôt une Tu bonne vas nouvelle. pouvoir faire des choses. If you know what I mean. Essaye de grimper là, le bâtiment qui est de l'autre côté. Tu vois, y a une petite, une espèce de petit balcon avec une échelle. Après, tu te retournes et tu sautes au-dessus du panneau. Ouais, ou sinon tu. Si tu sautes de là-haut, à mon avis, tu vas mourir. Ouh, oui, t'as pris cher. Ah, il est arrivé. Spike. Il faut que d'autres joueurs soient présents. Putain, en plus, faut que tu sois là. J'ai même pas le droit de lancer si t'es pas là. Ah bon? Ouais, j'ai même pas le droit de lancer la mission si t'es pas là. C'est quand même tristesse. Tu m'étonnes. Un live Assassin's Creed en fin d'année. Bah, le truc, c'est que j'en suis encore au 3, alors aller faire l'Origins. J'aime bien faire les jeux dans l'ordre quand même. Bon, qu'est-ce que tu fous? Tu viens qu'on fasse la mission un peu? Je suis là, allez. Crane, je Voilà. voulais te féliciter pour ce que tu as fait. Maintenant, si tu as besoin de quelque chose, viens me voir. Et pour commencer, voilà une lampe UV et une télécommande. Que ouais. Si tu croises un rapace, tu lui bronzes la tronche. Ou tu l'entraînes dans un piège que tu déclenches avec la télécommande. Compris. Bon, Oula. venons-en au fait. Malgré tes efforts, la mission de Brecon s'est soldée par un échec. Merde, il va bien? Il est toujours en vie, mais tu devrais retourner à la tour. Je l'aide à rappeler D'accord. tous les éclaireurs, et ça veut dire toi aussi. Eh ben on va faire ça alors. Vous Donc avez on... reçu une nouvelle tenue. Ah. Oh! Niveau de survivant augmenté. Ah putain, alors en Point de plus, voilà. compétence acquise. Alors, donc ça coûte combien? Ça coûte. Putain, il dit pas ça coûte combien? Ça coûte un point là? Alors attends, comment ça marche les points de compétence? Alors, apprenez à mieux utiliser la place dans votre sac à dos. Gagnez 4 nouveaux déplacements pour se remplacer des armes. Utilisez des plantes pour créer des boosters qui vous permettront de combattre sans vous fatiguer. Courir plus vite, mieux voir la nuit ou mieux résister aux attaques. Oh, je vais prendre ça plutôt. Je vais prendre ça.
Ok. Faites un rapport au chef du greu sur votre rencontre avec le chef de la tour. Le greu. Greu. Le greu-greu. Ah, greu. Comment tu fais les compétences? Select. Ah Enfin, oui. back. Tu joues à la manette? Si tu joues au clavier, je t'avoue, je sais pas. Eh oui, je joue à la manette. Les Bon, cales bah sales. j'en sais rien, du coup. Oups, erreur de ma part. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Compétence. Pas me faire attaquer, moi. Histoire qu'on prenne pas les mêmes, t'as pris quoi, toi? Moi, j'ai pris le truc qui améliore les cap. Enfin, le truc avec les plantes. Ah. J'aime les plantes. Je vais prendre l'autre alors, comme ça pourrait être complémentaire. Hop. Donc toi, t'es déjà parti, toi. Ouais, Ouais. d'accord. Ouais, moi, j'aime bien me balader. C'est quoi ça? Du café. Ah bah, je prends le café, moi. Couleur. Café, ah Café. ouais, là, oui, c'est d'accord, les cafés. Bonjour. Par contre, est-ce que je peux ressauter? Oui, parfait. Est-ce que tu peux me donner le nom de Angel sur Twitch? Pourquoi faire Twitch? Bah pour te follow sur ta chaîne Twitch? Oui, enfin, je préfère sur YouTube quand même, parce que Twitch, j'y suis pas souvent non plus, mais oui. Oh. Bah c'est quoi alors? C'est Angel 038? Oui, c'est Angel038, tout à fait. Angel 038. Papa, papa. Ouais, t'as où dans les commentaires? Je lis rarement, enfin j'ai un peu de mal à suivre. Ouais, c'est vrai que là, pour les commentaires, c'est un peu compliqué. Ouais. Beaucoup d'un coup là. Où c'est que t'es en fait? Ah Bah, d'accord. derrière toi. Ah oui, d'accord. Quoi? Ah non, que tu sois au-dessus. Hein. Ici Ah, je peux plus un bouger, ça rapport. marche aussi. Possible réunion avec le chef de la tour, si peu. Bien reçu. Confirmez ton identité et contactez-nous immédiatement. Comment ça, confirmer son identité, ça veut dire quoi ça? Ah oh, putain, eh non mais tu sais que je commence à m'énerver moi sur certains trucs. Quoi? Je ne pense jamais à faire mes putains de stropoles. C'est pas pour le live, hein. C'est pour l'épisode qui est sorti aujourd'hui. Et j'oublie complètement chaque fois de mettre putain stropole. J'arrive, je vais le Alors créer. faites équipe avec Breken dans la tour, ok. Bonsoir, Profing. Prof and guess. Profing. Ah, bonsoir le prof. C'est pour ça, le site. Kékette. La manette, c'est si différent pour en arriver à la manette. Non, c'est juste que j'ai mon clavier avec certaines touches qui collent un peu et ça me saoule, donc du coup, bah, je... Enfin, on n'expliquera pas ce que fait Jeff avec son Non, non, clavier. n'expliquez pas, n'expliquez pas. Pornhub, tout ça, on n'en parle pas. Ah oui, bah là, oui, bah bravo, hein. Alors, vous savez quoi, le stropole, je vais vous le foutre aussi dans le live, comme ce sera fait. Après tout, c'est pas grave, ça ne spoile rien. À ce poil. Ouais. Là, vous m'excusez 2 secondes si il se passe pas grand-chose. Je Il fait tout noir. crée. Oh bah alors. Il va faire tout noir. Bon après, des piélos, si tu veux parler avec nous-mêmes, tu peux venir. Nous Ah oui, sommes. le stropole est disponible. Non, sur le TeamSpeak. Le Je suis fatigué. Oh le con, c'est pas possible. C'est bon, hein, va se calmer l'autre. Voilà. Ça c'est bon. Allez, on y va. J'ai failli oublier de sauter. Sautez, monsieur, sautez.
Oh, ils ont des armes. Hop. D'accord. Bonsoir. 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 Alors, faut aller où? Ah, faut prendre l'ascenseur. Bon, bah, on va prendre l'ascenseur. D'accord, ok. Bon, bah, d'accord. Qui c'est qui casse la baraque, là? Money, 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 money. Oublie pas de rentrer quand il fait nuit pour éviter les attaques. Ok, ouais, bro. En fait, la nuit, faut qu'on fasse dodo parce que sinon on va crever. Ça, c'est le. Ah, quoique, attends, lui, on peut peut-être vendre des trucs. Et Piolo va devoir faire à manger, à mon avis. Ah, il va aller faire des pâtes. Ou un domac. Clamolette, on va garder. Tuyau de gaz, marteau de maçon, couteau de pêche. Ah, c'est pour acheter, vendre. Ouais, je veux pas. Pour l'instant, je vais tout garder. J'ai plein de tuyaux d'eau. Ah. Non, c'est pas ça. Elle est où ma planque? Ma planque, elle est là. C'était pas le lilas? Oh putain, les gens dehors, ils vont fermer leur gueule, ça va être vite vu. Ah, mais si, voilà, je savais bien que c'était là. Tenue. Alors, c'est quoi? Nouveaux habits. Pourquoi j'ai débloqué? Wow. D'accord. Des tenues par pays. Ok. Tenue téléchargeable. On avait pris celle-là, hein. À se mettre comme ça, ce sera bien. Voilà. Très bien. Je me vois pas de toute façon dans le jeu, mais au moins Angel il verra que je. C'est toujours quelqu'un qui est bien sapé. Comme jamais. Ouais. Ah merde. Ça va ? Un homme de classe. Bonjour monsieur. Bonjour. Un homme de beauté. Bonjour. 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 Bandor. 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 Les mecs, ça fait leur soirée, tu sais. 10 minutes. Bonjour, bonjour. Ah, même pas, on toque pas, pas de respect. Bonjour, madame. Faire des bisous. Avec la langue. C'est vachement proche quand même. Bon, on y va. Blablabla. J'ai pas tout compris, il faut que je fasse quoi? J'ai absolument rien écouté. Ouais, j'avoue. Peut-être qu'il vous écoutera, vous. Allez, salut. Ta voix ne va pas du tout avec ta tête, mais bon, c'est pas grave. C'est qui, ton ami? Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Écoute, Brecken, il faut surtout pas que tu retournes là-dehors. On va trouver un autre moyen, sans risquer. Ouais, on va trouver un moyen pour que tu crèves pas. Eh, hey, le nouveau va mourir. Voilà. Ah bon, d'accord. Peut y aller. Ça lui fait plaisir. On a deux nouveaux pour le prix d'un. Mmh. Ah. C'est Jason Tatane et il a pas l'air content. Il a des problèmes de yeux, on note bien. Ah bon? Ah ouais, regarde sa gueule. Pas très gentil, hein. Putain, mais mec, travaillez un peu les expressions du visage parce que là il y a rien quoi. Il date de 15 jeux, j'ai peur. Pas 2014, 2015 je crois. Ouais quand même, hein. C'est étrange. Hein. Ouais, c'est bizarre. Hein. Rends-toi au chaudron. Qu'est-ce que c'est? C'est un chaudron. Oh non. Une petite mission secondaire, ça, c'est sûr. Je lui mettrais bien un tuyau en travers de la gueule. Les anti-épileptiques se vendaient comme des petits pains quand l'infection a commencé. Ah putain, j'ai lu l'orax, c'est pas l'oratrax. Comment est-ce que tu sais tout ça? C'est la bête à poil, là, le l'orax. Ah oui. Elle fumait une clope, là? Ouais, ouais. Oui, parce que c'est l'apocalypse zombie, mais ils ont des vivres en tout et n'importe quoi. Ah non, mais ce qui est rigolo, moi, sur ma vidéo, j'ai pas la clope, en fait. Ah bon ? Elle fait le geste, il y a la clope qui s'allumait, mais il y a pas de clope. Il a ses habitudes, et il peut être assez insistant, c'est le problème. Alors, ils ont continué à lui en donner. Tu crois qu'il les a accumulés pendant tout ce temps ? Non, c'est un coup de stropole au cas où. Je ne sais pas où nous pourrons en trouver ailleurs. Aux dernières nouvelles, Gazi habite sous le pont routier, et il ne lui parle pas de la mort de sa mère. Ce n'est pas sûr qu'ils le comprennent.
Wow, d'accord, ça s'est arrêté en plein milieu. Succès. J'ai un succès. Nouvelle entrée dans le journal. Fête des mères, récompense, difficulté intermédiaire. Ah si, elle a sa clope maintenant. Trouver l'endroit où habite Gazdi. Donc en fait, on a... Attends, qu'est-ce que... Oh non, ça j'aime pas. Tu vois tous les points d'exclamation sur la carte? Ouais, je vois, ouais. À mon avis, c'est que des missions secondaires. Oh, fuck. Bon bah écoute, allons les chercher. Hein. Alors j'espère qu'on peut les chercher séparément, parce que sinon c'est pète couille, quoi. Ça recommence. Ah, bah toi, t'es mort. Toi, on peut parler. Comment tu t'appelles? Brejesh? Brejesh? Il s'appelle Brejesh. Il s'est enfermé dans sa chambre. On l'a entendu crier. À mon avis, si votre pote est mort. T'as entendu ça? J'arrive pas à ouvrir la serrure. Il avait une gastro. Et... Ouf. T'es où? J'ai ouvert la porte. Ah d'accord, toi tu... Carrément. Juste pète pas le crochetage. À toi de jouer maintenant. Qu'est-ce qu'on pense des fins 2017? Bah que ça donne envie, c'est tout. On attend impatiemment, voilà. Cassé. Oh non, mais à ton tour. Je suis nul à ça en plus. Ouais, j'y étais presque. Hein. Il va falloir bosser sur F1 2017, ça va nous prendre du temps. Bye. Attends, moi j'y vais tellement doucement parce que j'ai peur que de le casser. Franchement, je te le dis, c'est une horreur ce truc. Wow, c'était quoi ça? Bizarre comme bruit. Putain, il me manque un poil de cul. C'est bon. C'est bon. Prêt? Comment on attaque? Comment on attaque dans ce jeu? Comment on attaque dans ce jeu? Comment on attaque dans ce jeu, putain? Ah, ça c'est la lampe UV. T'es là? Merde. Merde, mais je veux me battre, moi. Mais comment on se bat, bordel? Qu'est-ce qui va pas? J'arrive pas à bouger. Bon bah tant pis. Que mon cœur va exploser. T'es en train de basculer? Non, non. J'ai pris de l'antizine et ça a déclenché. On se fout de ta gueule, je crois, Angel. Dans le... enfin, t'es pardon? On se fout de ta gueule. Quoi? Qu'est-ce qu'il veut encore, le nain de jardin? Angel, il aura fait. Tu vas pas vite. Il aura fait 3 grands prix et fin 2018 il va sortir tellement. Mais taras. C'est la Camelot, ce truc. Quoi? C'est une contrefaçon. T'as eu ça où? Oh, moche. J'ai besoin d'un médecin. Dis-moi d'abord qui t'a vendu ça. Je ne peux pas. J'ai promis. Ce gamin en service qui m'apporte des trucs de l'extérieur. Oui. Tu veux me prolater, c'est ça? Les gens pourront en donner leur gosse. T'as envie qu'ils vivent la même Oups. Chose que toi? Ah, oh, c'est énorme. Bien sûr que non. Alors, pourquoi tu peux faire ça? C'est une cinématique. Je devrais pas avoir le droit de faire. Oh putain, voilà. Mais arrête de faire des conneries là. Putain. Oh, bordel. Oh mes yeux. Oh. Pas agréable. Ah non, pas tellement. Dépêche-toi, s'il te plaît. Oh, dépêche-toi. Il veut de la dope? Ouais. Bah attends, on va aller chercher le médecin parce que sinon on va pas s'en sortir. Il veut de l'anthésite. Putain, c'est sérieux, faut prendre. Oh, faut descendre, faut prendre l'ascenseur. Oh, j'en ai marre. God damn shit. Les affiches sont prêtes. Hein? Qu'est-ce qu'elle dit? C'est un syndrome de la tourette, je crois. Oui, je pense aussi. On peut prendre des ascenseurs tout seul dans ce jeu, bordel? Putain, tu peux même pas prendre l'ascenseur tout seul. Waouh, c'est... Salut Doc. Cool. Doc. Doc. Putain, mais qu'est-ce qu'elle fout, oh. Qu'est-ce que tu fais, toi? Bah, je suis avec le Doc, là. Ah, oh. Ben non. Attends. Ah, merde. Je suis pas sur la bonne mission. Léna, c'est bien le Doc, elle est en train de... Ouais, ah, je suis en attente des autres joueurs, putain, oui, le con. Oui, je suis con, parce qu'en fait, je suis pas sur la bonne mission. Ah, oh, putain, c'est pas possible. J'arrive, c'est bon, c'est pas possible. Bon. Mais t'es où? Mais... Bah... Bon, pour l'instant, on regarde le plafond. Merde, t'es à l'étage au-dessus. Non, je suis à l'étage en dessous. Non, t'es à l'étage au-dessus. En dessous. Merde. Il est borné, hein. Il persiste. Toujours. Putain, mais qu'il est con, c'est pas possible. Elle s'ouvre pas la porte.
Oh la vache. T'es encore en dessous. Il y a combien d'étages dans ce bordel? Oh, hé. Hey. Je t'ai attendu, hein. Si, si, je vais le taper. Pourquoi il n'y a pas de facecam? Bah parce qu'en fait, si vous voulez, je suis un peu en calbute et j'ai pas trop envie de montrer mon corps nu. Pareil. À vous. Ce qui fait, il fait terriblement chaud chez nous. Alors j'espère que cette question ne s'adresse pas à moi parce que sinon je sais pas comment comment le prendre. Il compte faire d'autres jeux que du sim racing. Qui? J'espère qu'elle est pas pour moi la question. Je pense que c'est pour des piélos. Hein. J'espère. Parce qu'il y a la star dans la place, forcément. Du coup, vous faire quoi en fait? Je sais pas, j'ai rien écouté. Encore une fois de plus, hein. Trouver l'endroit où habite Gazi, mais non, mais c'est attends, pas ça. Attends, alors là, je crois qu'il faut monter par contre. Allez, aussi. Monte. Dans l'escalier. Non, encore. Encore. Dès que le point il est bien blanc, c'est que c'est bon. C'est sur le toit en fait, c'est ça? Mais non. Bah, moi j'aurais dit que c'était sur le toit. Hein. Attends. Merde, comment ça, j'ai pas le droit? Ah bah attends, si, c'est lui. C'est quoi? Youssouf? Je pense que c'est lui. J'espère que c'est lui en fait. Youssouf, bonjour. Ouah, t'as vu le bras toi? Comment ça se fait qu'il est dans cet état? Eh ben, c'est un camé. Ah oui. Non, Youssouf. C'est toi qui as de la chance. Parce que je vais t'offrir l'occasion d'être honnête et de me dire où t'as récupéré la saloperie que t'as vendue à Bahir. Ah non, c'était pas pour moi la question. Ah, c'était pour qui alors? On sort ce phénomène. C'était pour des pieds. Ah bah voilà. Je vais mourir à cause de l'antizine frelatée que tu lui as vendue. Frelatée? T'en es sûr? Elle est pas bonne? Je viens d'en acheter 10 flacons à ces types, je l'ai payé cher. Bah vu la gueule que t'as, mon dieu, à mon avis. Ouais. À mon avis, ils se sont doutés que c'était facile de t'arnaquer. Il y a un bâtiment à côté de la pharmacie. Je viens, c'est pour vous, le jeu m'envole pas des masses. Tu sais combien ils sont? J'y suis jamais rentré. Bon. Ils ont des médicaments. Certains sont des vrais, et ils viennent sûrement de la pharmacie. Hein. Oh là là, ce jeu d'acteur. Ils ont aussi leur propre truc. Mon contact s'appelle Bento. Tu sais que Bento, c'est de la bouffe au Japon. Hein. C'est pas faux. Ça te coûtera bien plus cher si j'apprends que tu continues à fourguer cette saleté. Je vais te défoncer. T'as compris? Okay. Alors, bah du coup, j'ai aucune idée de. Y'a une quai? Y'a une carte dans ce jeu? Oui, y'a une carte. Ceci est un persuasion. Bon, bah écoute, y'a plus de mission, hein, parce que y'a rien d'écrit. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait une autre mission secondaire, peut-être? Si vous voulez, mon cher Jeff. Oh bah oui, faisons. Ah bah attends, il y en a une à cet étage-là. Ah bah oui. Lequel c'est? Toi. Oh dis donc, t'as la classe, toi. Bonsoir. Je dois partir d'ici. Emmener ma femme et mon fils en blessure. Moi, je dirais que le seul endroit sûr, c'est ici. Dans le bidonville, peut-être. Mais le bidonville n'est pas sûr. C'est pas un endroit pour ma famille. Et j'ai trouvé comment en sortir. Bidonville, Dieu. Je peux pas te donner les détails. Mais je dois traverser la ville. Et je peux pas le faire sans un flingue. Si tu m'en trouves un, je te parlerai d'un endroit qui n'a pas encore été pillé. Oh, c'est peut-être intéressant, ça. Comment tu sais que cet endroit n'a pas été pillé? Parce qu'il n'y a qu'une personne qui a accès à cet endroit. Et tu l'as devant toi. Pour le doigt. Un flingue, tu et tout ce que tu pourras y trouver. Pour lui, un flingue, bah, il est gentil, lui. Comment tu joues à porter un flingue, toi? Flingue est au prix. Trouver une arme pour Dawood. Bah ouais, bah écoute, on verra plus tard. Hein. À l'occasion, hein. Ouais, à l'occasion. Il y a plus qu'un seul point d'exclamation, c'est bien. Ça, non, c'est bien. Oui, il y en a plus qu'un, ouais. Pardon. Et bah parfait, bah dans ce cas-là, ouais, on il va doit être dans un étage inférieur, je pense. Ouais. Bah dans ce cas, on va aller faire celui-là. Et hop, c'est à l'étage-là. Bonjour. Timur. C'est un Timur, lui. Tu connais Gros Mur? Ah, et celui-là, c'est un petit. Ouais. Eh, qu'est-ce qu'il... Attends, il veut quoi, lui? Bah, c'est tout. Ah, bon, bah, salut. Quête. Alors, quête histoire, quête annexe, quête rejouable. Bon, bah, ça, c'est les quêtes des DLC. Quête.
Invasion, jouer le zombie, ça c'est un DLC aussi, donc on a ça, ça. Fouiller la pharmacie. Ah, elle est où la pharmacie, bordel? Bah, c'est là où on était tout à l'heure, là, avec... Faut prendre l'ascenseur, il dit. D'accord, d'accord, j'arrive. Je prends l'ascenseur. Donc, voilà. Ce beau temps me fait penser à une chanson. Party rock de LMFAO avec une petite danse, Angèle. Si tu vois pas de quoi tu parles, non. Je suis pas au courant. Oh, mais c'est pas vrai. Donc ça, on s'en fout. De toute façon, faut sortir, je parie, pour... Bah oui. Par contre... Non, ça va. Ah, tu veux quoi, toi? Ah, tu veux échanger des trucs. Je vais vendre ça. Pourquoi il n'y a plus de son? D'accord, c'est bon. T'as du café, des trucs comme ça, vends-les, ça te fera de la vie. Enfin, ça te fera de l'argent. Ouais. Vendre. J'ai 5 paquets de café. C'est quoi le jeu? Bah, le jeu, c'est... Normalement, c'est marqué dans le titre du live. Dying Light, un jeu de zonzon. C'est du zonzon. C'est la lumière morte. Exactement. Plusieurs quêtes, ça fait des quéquettes. Mm-hmm. C'est moi qui l'ai faite, ça va? Qui c'est qui a dit ça? Putain de merde. Dans un sens, t'as personne niveau français qui fait ce genre de vidéo sur les fins 2017. Quel genre de vidéo? Plaît-il? Est-ce qu'on a à faire comme quête? Parce que... Ça, c'est dehors, grid, ça. Le jour où j'arriverai au 10K, ouais, éventuellement, je la remettrai en ligne. Mais, franchement, je pense que ça arrivera jamais. Wadi. Oh, bah alors là. Trouver l'endroit où on habite quasi. C'est où, ça? Oh, putain, c'est loin. Oh là. Et livraison, c'est juste là. D'accord. On va faire bonne nuit monsieur Bahir comme mission déjà, ça va être bien, je pense. Bonne nuit monsieur Bahir, oui, voilà. Bonne nuit les petits. Bah écoute, je vais t'attendre avant de sortir quand même. Où est-ce que t'es? Par contre, j'ai vraiment un problème quoi. C'est comment on met une arme dans sa main? Parce que j'y arrive pas. Faut qu'on sorte de la zone sécurisée. Ah ouais. Putain, toi t'es bon toi. Alors tu vois le. Ta mission c'est bien la même que moi. Hein. Oui, bonne nuit monsieur Bahir. Ouais. Bon bah on va vers le point orange alors. Fouiller la pharmacie. Et il va faire nuit. Hein. Merde. Ça en temps réel. Je sais pas. Attends, je regarde la carte 2 secondes. Parce que. Bonjour. Il y a une zone sécurisée au nord. Wesh. J'espère que la pharmacie c'est une zone sécurisée. On va essayer, hein. Au pire, on va essayer. Tu vois qu'il commence réellement à faire nuit, on se dirige vers l'abri et on se casse, quoi. On fait la nuit là-bas. Ah, niveau d'agilité augmenté. Bon, bah écoute, c'est bien. Comment on va faire? Faudrait passer là-dessus. Je reviens. Ok. Merde. Bruti. On peut passer là-dessus. Sauver le survivant. Merde, il y a un survivant à sauver, Angel. Où ça? C'est un point bleu, là, sur la carte. C'est bon. Tu l'as safe? Ouais. Sans vous, je serais plus... T'as intérêt à avoir une dette envers moi. C'est-à-dire que... Cool. J'ai pas configuré mes touches, alors du coup, tant de chercher comment s'accroupissait. Trop tard. It's too late. C'est pas grave. Bon, alors attends, passe là-dessous. It's too late to apologize. Oh merde. Too late. Rain, ici Lena. Elle me veut encore. Je t'écoute. On a trouvé 2 autres flammes. Oh merde. Brecken et Foudrage. Tu m'étonnes. Comment va Bahir? Il est stabilisé. Oh, une corde pour me pendre. Oh, des cigarettes.
Bah, si tu veux, tu peux récupérer la lame, vu que j'ai récupéré le reste. La lame, ça servira pour construire des armes. Produits chimiques, il y a du café, moi, il y avait. Ah ! Ah, merde ! Ah, d'accord, donc ça veut dire qu'on a chacun des trucs. Ah, oh, c'est cool, chacun ça. Son loot. Chacun ça, son cool. Chemin. C'est... Chacun son rêve. Chacun son destin. Eh oui. Merde, là, il y a un zonzon. Bon bah écoute, on va sauter. Hein. On aurait pas dû sauter. Ah si, ça passe. Bon, merde. Vite, vite, sur la bagnole. Voilà, c'est bon. Oh, chiotte, PSG. Enculé. Attends, y'a pas un survivant, là? J'ai entendu putain. Ah oui. Ah oui, un survivant, là, sur la pharmacie. Attends, on va essayer de lui parler. Ah non, bah écoute, on peut pas... D'accord, c'est un gang de survivants, en fait. Et il est pas très communicatif. Ouais. Ah, leve-la, Bento. Alors... Attends, moi, je t'ai vers le camion. Qui t'a dit ça? Ton petit doigt? La même personne qui m'a dit que tu mettais cette saloperie dans de faux flacons. Angel et Jeff qui passent une nuit ensemble. Ouais. Vous allez voir ce que ça vous allez voir. Peggy 18. Avec des yeux laser, je pourrais te cramer d'un seul regard si je voulais. Je veux bien fermer le labo, Bento. Je crois qu'on va les affronter, Angel. Je viens fermer ta boîte, Bento. Oh. Ouais, on les affronte. Comment on se défend dans ce jeu? Ah, j'espère que les zombies peuvent pas rentrer dans le bordel parce que... Bon vache. Ok, il y en a un qui est mort. Oh la vache! Là, j'ai plus d'endurance. Ça va, Angel, t'en sors? Ah ouais, je gère. Hein. Autant que je puisse le faire. Ah, il me jette des trucs. Putain, mais j'ai plus d'endurance, merde! Ah, je suis mort. Non! T'es où? Oh putain, Pierre, là, je peux pas te sauver. Oh merde. Putain, c'est chaud, ouais. Enculé. Putain, mais j'arrive pas à le péter. Attends, j'essaie de revenir, hein. Oh. Allez, je suis pas tout à côté, en fait. Ça risque d'être un peu compliqué. Putain, le nombre de zombies qui est à côté, qui sont prêts à venir nous péter, je te jure. Ah là là, je suis bientôt mort aussi. Inventaire. Putain, mais le mec, il esquive tout! Putain, mais c'est pas vrai! Le Bento, il est imprenable! J'en reviens pas! Seulement j'avais un putain de flingue! T'en sors, Angel? J'arrive, hein. J'ai préparé des armes. J'ai un tuyau pour lui en plus. Ok, lui il est mort. J'arrive. Oh, et puis je dois parce que là, on est mort. Oh. Il est mort. Oh merde, moi aussi.
partais. Oh merci. Ah, c'est moi que je suis par terre maintenant. Ah merde. Oh putain, non. Il a bugué. T'as un mauvaise du coup. Non. Bon bah on est morts tous les deux hein, de toute façon. Hein. Quelle connerie. Bah faut y retourner pour aller récupérer le loot. Hein. Ouais, tu m'étonnes. En espérant que ça relance pas la mission. Ah j'espère pas. Hein. On est où là? Dans une espèce de camp. Hein. D'accord, ça me dit rien du tout en plus le bordel là. Mais on n'est pas très loin de la sauterie. D'accord. Du zonzon en sortant là. Ouais. C'est ça le camp? Ouais. Ouais. Donc comment on rentre? Comme ça. Il est où? Oh putain, il y a du monde encore. Oh, enculé! Bien joué! Oh merde, il est pas mort! Attends, j'ai plus d'endurance. T'as plus d'endurance, ça sert à rien de t'acharner. Bonne merde! Eh, hey, tu me parles bien au moins, quoi. Mort. GG. Y'a plus les restes des mecs qu'on a butés? Merde! Hein, y'a plus. Ça, bon bah faut grimper hein, maintenant Angel. Tu vas où? C'est pas terminé. Ça c'est con parce qu'ils avaient du stuff les mecs. Il est mort? Bah il est tombé. Ah bah là je prends. Ah non. Merde. Tu vas la planche en bois. C'est tout ce que t'as. Tu m'as fait mal. Oh. Tu vas prendre. Hein. Oh, tu vas prendre. C'est bon. Fouillé. Kit de soins, merci. Oh, un kit de soins, yes. Bah, j'en ai besoin. Un kit de soins. Beau travail, Crane. C'est un gros soulagement. Tu vas bien? Ça va, mais Youssouf les avait prévenus de mon arrivée. Oh. Je le craignais. Barre énergétique. Parfait. Plan briquet. Eh oh. Mais revoilà. Ah ben revoilà. Ah mais t'es là. J'ai mis avec une lampe, non? Une note. Et j'ai pas la lampe, moi. Si tu fais haut... Ah bah non, mais tu joues au clavier. Ça te fait rien. Ah, planque du joueur, parfait. Putain, mais c'est quoi le bouton pour la lampe? Attends, j'ai regardé dans les options. Commande. Clavier souris, d'accord. Map et touche. Hop. Avancer, reculer, sprint, saut. Alors, du coup, c'est con parce que ça, ça devrait, ça devrait être une zone safe ici. Ah, bah si, il y a un lit. Torche T. Oui, tout simplement. Ouais, c'est cool. C'est cool. Oula, attends, j'ai vu qu'il y avait plein de messages et faut que je les lise un petit peu quand même, ce serait bien. Ouais. Moi, ce qu'il me faudrait, c'est une geekette cosplayeuse fan de sport mécanique. J'en demande trop. Faut pas. Ouais, oui, ouais. Ce serait le pied, hein, de la trouver. Faut chercher. Ça arrivera. Apparemment, si je pars sur une note un petit peu plus négative, il y a eu un attentat. Aujourd'hui. Enfin, ce soir.
Ah merde. À Bruxelles. Ah bon? Hydro. Qu'est-ce qu'il tweet, Hydro? Je suis arrivé sur le live de Jeff Angel, j'ai vu tous les carrés orange avec marqué Hydro, j'étais comme ça. D'accord. Bon bah apparemment il y avait Hydro à un moment sur le live. Écoute, on était tellement... Trucs, t'es tellement dans notre... C'est ça. Dans notre survie qu'on n'en a pas vu. On fait la fête des mères, si ça t'intéresse bien. C'est cool la fête des mères. Non ? Oui, très bien, très bien. Faisons ça. Je crois que c'est un peu loin en plus. Faut... Quoique, eh, ça se trouve, c'était au camp où on s'est retrouvé. Non, pas du tout. J'ai rien dit. Compétence. Alors, niveau d'agilité. Hop. Ah, bah non, c'est d'accord, je l'ai déjà. Utiliser l'attaque des ennemis pour les propulser au loin. Quand un ennemi charge, appuyez sur A et pointez dans une direction. Ah. Faites une glissade en courant. Cela permet de. Ah, ça c'est bien la glissade. Je vais prendre une glissade. Niveau de puissance. Lancer multiple. Lancer une arme de mêlée sur vos ennemis. À mesure que votre corps. On va prendre ça. Il y a des zombies qui commencent à s'exciter là sur les barricades. Ouais. Ah, t'es déjà parti! D'accord. T'inquiète, t'inquiète. Non, bah j'arrive, j'arrive. Les... Ah, mais non! Comment je vais faire? Je vais faire comme ça, moi. Ouf! Manger un poteau dans la tête, ça fait mal. Le poteau a gagné face à Jeff Harvick. Un petit peu! Oui! J'ai géré. Oh oh, je crois que j'ai fait une erreur. Jeff, j'ai fait une grosse erreur. Il y a du monde. Il y a du monde. T'as metté. C'est censé être résistant, connard. Oh merde! On fait peur, c'est con, ouais. Mais bon, là je suis safe. Pff, on va reprendre un peu notre souffle. Attends, je vais te rejoindre. Je vais aller voir un autre truc. Là, voilà, là je suis safe pour l'instant. Putain, mais c'est où? Wesh! Les zombies s'excitent. Ça va la Jeffnicule. Putain, je suis connerie. Milf Day. Ah, ce serait cool, Milf Day. Là, par contre, je t'avoue que je sais pas trop par où passer. Parce qu'en fait, si tu veux, j'ai un tunnel là. J'ai aucune idée de si c'est la route à prendre. Toi, tu m'as l'air d'être un. Ah putain, si c'est sur l'autoroute, on n'est pas sorti. Non, c'est en dessous de l'autoroute. Donc la route que je vois là. Le truc, c'est que c'est un tunnel, c'est super dangereux. C'est moi ou tu te fais attaquer par des gens là? Angel? Oui, je me fais attaquer là, je suis dans un camp. Oh le con. Ah ouais, non, mais barre-toi. Ah d'accord, si on les tue, on peut récupérer la. Je suis pas sûr que je vais réussir à te sauver. T'as de la chance. Aïe. Ah, t'en sors. Derrière moi, il y en a un. Yes. Y en a encore. Mais alors du coup, toi, t'as un truc qui tape vachement fort, parce que là... Bah, j'avais une bonne arme, ouais. Utiliser. Ah, faut la fermer, la zone. Faut tuer tous les zonzons, mais faut fermer la zone aussi. Alors, comment qu'on fait ça?
Il y a une porte quelque part qui doit être ouverte ou un truc dans le genre. Non? Possible. Wow! J'ai peur, quoi. Angelito, il fait plus peur que le jeu. Non, c'était le choix. À moins qu'on en écrit une zone safe. Une fois débarrassé. Non, tant qu'on a l'arme à la main, c'est pas une zone safe. Ah, voilà, c'est pour ça, c'est parce que... Parce qu'il faut activer l'électricité, je crois, une connerie du genre. Eh oui, c'est ça. Nettoyer le secteur et rétablir le courant. Voilà. Parfait. Voilà, zone sécurisée débloquée. Parfait. Niveau de survivant augmenté. Ben voilà. Boutique et l'intendant, un nouvel inventaire. Et ben voilà. Troc, améliorer votre compétence de marchandage. Réduit de 10% les prix dans les boutiques. Apprenez à fabriquer des shurikens. Ouh. Mmh. On va faire le troc. Troc, c'est bien. Donc nous sommes maintenant dans une zone sécurisée, ça c'est bien. Mais faut quand même qu'on se barre. Oui, parce qu'on nous attend, on a un rendez-vous. Ouais, on est obligé de passer dans le tunnel. J'avoue que je suis pas fan de l'idée. Sachant qu'en plus on a vraiment pas des armes de folie. Bah écoute, au pire on peut essayer de passer en restant sur les véhicules. Ça peut être une idée, hein. Par contre, c'est des petites voitures, donc on va passer comme ça. Hop. Ça va, Angel, t'en sors? Oui, oui, je réparais mon arme. D'accord. Alors, ce déménagement, ça se passe comment? Ah bah, faut demander plus à Manon. C'est plus Manon qui pourrait donner des infos là-dessus. Bah... Ça, Manon, on est en train de tapisser. Et de monter la cuisine. Et une fois que ce sera fait, ce sera bon. Eh bien, voilà. Donc Valérie D'Amido est dans la place. C'est ça. Mais c'est plus dur que dans Déco. Non, on a des murs pas droits. Monte. Et il y a beaucoup de prises, donc il y a beaucoup de choses à contourner et c'est très embêtant. Ça, c'est sûr. On passe par la gauche, là, tu vois l'ouverture, derrière le grillage et tout, on passe par là. Ouais, ça peut être pas mal, on pourrait être peinard après. Ouais, ouais. Ah merde, merde, merde. Ah merde, non, on peut pas. Ah si on peut, on peut. C'est... Quand tu donnes un plan mais que t'es pas au courant de ton plan. Ah bah oui, plus, mais faut pas passer par là. On est tout bon, c'est là. Yazi, t'es là? Trompé. Oh, il est là, parce que je crois avoir vu une ombre. Entrez. Allez, elle savait. L'ombre, elle est passée à travers le mur. Alors, vaut mieux faire plaisir à maman. Gazi? Moi aussi, on a le même nom. Tu viens du vidéoclub? Je m'appelle Crène. Crène? Crène, ça rime avec chaîne, traîne. Oh putain, il est con. Chaîne, traîne, graine, peine. C'est un drôle de nom. Oh putain, il est con. Non, c'est impossible. Impossible. C'est mon jour spécial avec maman. La fête des mères, c'est le jour le plus important du monde entier. Est-ce que tu viens du vidéoclub? Pourquoi tu me demandes toujours ça? Oh là 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 là. C'est mon film, sur moi. Ça s'appelle Charlie. Et ça parle que de moi, et de mon intelligence. Gazi, si je t'apporte ton film, est-ce que tu me laisseras entrer? Bien sûr, tu pourrais... C'est quoi son film? C'est une sextape amateur? C'est la fête. Ouais, c'est Jackie et Michel dans un camp de vacances. Oh, il a fait un film avec sa maman. Oh. Maman veut des chocolats. Eh, hey, gala! Ça fait beaucoup. Oh, puis il s'appelle Forrest Gump en plus! Ouais. Aïe aïe aïe. C'est ce que disent les gens du magasin. Oh, il faut vraiment qu'on lui trouve. Oh là là! Non, mais non. Oh, le jeu de. C'est où? Oh, puis en plus, faut retraverser le pont!
Attends, je trouve plus. Tant on y était en plus. Bon bah Angel, t'es prêt hein? Faut qu'on y aille. Faut y retourner. Ouais. Les misères. Ouais, complètement. Miséricorde. Alors. Comment nous sommes-nous rencontrés? Bah en fait, à la base, c'était lors d'une émission sur Racing News qu'animaient Kangox et Ray Baker. Ouais. Sur des débriefs de F1, et c'est aussi par là qu'on a eu l'idée de se mettre aussi à faire des débriefs. C'est ça, ouais. On avait fait une vidéo lors de la trêve estivale en 2016. Et c'est là qu'on en fait, c'est là la première fois qu'on a discuté tous les trois ensemble. Ouais, parce que moi, Despiello m'avait déjà parlé de Jeff, mais j'avais jamais discuté avec Jeff, ni abordé le personnage. Moi, pareil. T'es réciproque. C'était réciproquement la même chose. Oh là là, c'est beau. C'est beau quand tu fais ça comme ça, oh là là. Et puis, il s'est trouvé qu'en fait, après, on a commencé à faire des trucs, des débriefs tous les trois, là, sur ma chaîne. Mm. Et puis, voilà. Une chose en entraînant une route. Le jeu qui sait pas ce qu'il peut faire. On va aller là-haut. Ensuite on va aller là. Ensuite tu vas voir que je vais me faire harceler. Oh putain de merde. Oh putain de merde. Il y a du monde hein. Ouais, il y a un peu de monde. Ce camp de vacances, hein, c'est pas. Tu m'avais vendu un truc un peu calme. Ouais, bah c'est calme, hein, je veux dire. Hey, franchement, tends l'oreille. C'est calme. Ah merde, un crochetage. Hop, de la barre énergétique. Merci. Merde, je l'ai cassé. T'es où? T'es au-dessus? Ouais, je suis sur le toit. Merde! Putain. Salut Ricardo, écoute, je suis passé sur ton live, je suis désolé, hein, l'autre soir je suis passé sur ton live et après je devais partir et du coup voilà, je suis pas revenu parce que tu t'es connecté, déconnecté. Et... voilà, c'était un peu complexe. Allez, passe. Non! Oh, c'est chiant les crostases. Il y a un burning zombie qui est juste en dessous, donc ça c'est pas une bonne idée. Ah, tu m'étonnes. Pure gaz. Ah bah voilà, et puis des cigarettes. Eh bah voilà, viens on va. Et ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Oh. Oh putain. Merde, c'est fermé. Angel, comment je vais faire pour... Oh, d'accord. On va dire que j'ai réussi à faire ça, je sais pas comment. Putain, mais comment on rentre dans ce bâtiment de merde? Ah oui, je le vois, le mec en feu. Je vais prendre le bus, hein. Ça m'a l'air bien. Tu as une idée de comment rentrer dans le bâtiment? Bah, à l'étage du dessus, je sais pas s'il y a vraiment quelque chose, en fait. Hein. Bah, ah, non, si. Non, faut aller dedans. Ah non, il marque sans... Putain, je sais pas. J'ai peut-être une idée. Ah, je viens de voir une porte. Derrière le bâtiment, il y a une porte fermée. Ah bah putain, t'y vas, il y a deux zombies à côté de toi. Ils m'ont pas vu. Voilà, c'est bon. Il y a le mec, il y a le zombie en feu surtout qui vient d'arriver. Oui, j'ai fait toc toc. Ouf. Putain, mais j'ai tellement pas d'endurance. Ouais, c'est pareil. Calme-toi, le zonzon en feu. Là, j'arrive pas à les attaquer. Ils sont juste 5. Calme-toi, toi. Je l'ai tué ou je l'ai pas tué? Non, je l'ai pas tué. Calme-toi, toi. Putain, j'ai l'impression de revenir au didacticiel où j'étais sur une maison et une voiture et j'ai passé 30 minutes à buter tous les zombies, quoi. Ça me rappelle quelque chose. Il feu! Niveau de puissance augmenté. Je suis plus puissant.
T'as trouvé un accès? Non, j'y réfléchis encore. Ça se trouve, y'a que ça en fait, y'a que la porte là, mais y'a trop de zonzons. Bah attends, je vais faire autre chose, je vais aller à l'autre baraque moi, en attendant. Ça se trouve, ils vont se calmer et puis ils vont s'écarter de la porte quand on sort. Non. Fais chier, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Bonsoir Ali Couscous. Bienvenue sur le live. Absolument. Comment je vais faire? Putain, y a plein de flics, Iki. Tu m'as repéré toi, tu m'as pas repéré. Oh, j'ai fait un combo, dis. J'arrive pas à savoir s'il m'a gaulé. Parce qu'il se tourne vers moi, donc normalement il m'a gaulé. Ah, lui il bouge. J'ai l'impression qu'on n'a pas le niveau, tu vois, pour. Enfin, que. On est trop faible. Mais il crève! J'ai fait un espèce de charnier sous la baraque. Oh, ça recommence. T'en sors toi? Bah. Ah, c'est pas un piège là-haut? Genre. Merde, je suis tombé dans le bus. Grosse erreur de ma part. Yo Jeff, moi j'ai fini le jeu 3 fois, je le fais en légendaire tranquille. Ah bah oui, c'est sûr, si tu l'as fini plusieurs fois. Nous okay. C'est un peu c'est notre toute première fois, donc on est un peu dans le dur, hein, forcément. Bah, je suis sur le toit de la barre de l'immeuble là, mais je vois pas d'entrée hein, en fait. Hein. Et la porte elle est. Pas me faire attaquer. Elle est bloquée. Donc je vois pas comment on peut rentrer là-dedans. Yes. Donc je ferme la porte. Oh non. Quoi? Zonzon. Charlie. La lettre C. Oh putain. Une alarme qui s'est déclenchée dans le bâtiment où je suis. Mm-hmm. J'ai réussi à l'arrêter, mais bon. J'avoue que. Inventaire, on va remplacer. Alors, il m'a dit Charlie, donc faut que j'aille à la lettre C. Où est la lettre C? Où est la lettre C? Ah, pas la lettre C. Cassette vidéo. Ah, je l'ai. C'est bon, je l'ai. J'ai la cassette. Trouver la boîte de chocolat pour sa mère, mais moi j'ai fait le tout le tour du merdier là, je ne trouve à rien. Ah, doit y avoir une porte, hein. Ah, une porte. Je suis arrivé sur le toit et tout, mais j'ai tout fouillé. Tu dois crocheter dans les deux endroits pour rentrer. Moi, j'ai crocheté une porte, et doit y avoir une autre porte à crocheter dans le bâtiment. Là, en haut, tu peux pas parce que c'est emmuré, mais soit c'est la porte rouge, soit il y a une autre porte autour du bâtiment qu'il faut crocheter. Est-ce que j'ai aimé Dirt 4 ou pas? Ouais, j'aime bien, franchement. Dirt 4, il est sympa. Mais j'arrive pas à me dire que. J'arrive pas à dire. À trouver que ce soit intéressant d'en faire une série YouTube en fait. Faire ponctuellement des lives, ça peut être sympa, mais. Ouais. Mais c'est tout. Alors, est-ce qu'il y a une porte là? Ah merde! Merde! Bah je. D'accord, c'était A. Moi j'ai appuyé sur tous les boutons sauf A. Qu'est-ce que t'as fait? Je me suis fait choper par un zonzon. Donc c'est la porte rouge, hein. Je confirme, c'est la porte rouge qu'il faut crocheter. Non? C'est pas la rouge? Bah ouais, mais non, à part essayer de l'ouvrir, tu peux rien faire, hein. Ah non, bah effectivement, t'as raison. Bizarre, ça.
Donc je suis allé sur le toit, mais sur le toit, j'ai récupéré ce qu'il y avait à récupérer, mais j'ai rien trouvé de spécial. Hein. Une porte à crocheter, quoi. Pas possible autrement. Un zonzon en feu, il me saoule. Oh là là. Rectification, tu dois aller soulever le garage. Et soulever le garage. Où est le garage? Ah, il est là. C'est bon, je l'ai trouvé. Par contre, il y a peut-être encore une alarme. Hein. Tu peux fermer le bordel ou pas? Merde, tu peux pas. Évidemment que non. Ah! Pute! Oh merde! Crève! Je récupère la YouTube monnaie au passage. Ouais, ouais, ouais. Café. Fais gaffe, hein, y a des zonzons qui arrivent là. Ah, le merde, c'est où? Dans le frigo. Baklava. Non, ça c'est pour nous, ça. Café. Barre de chocolat, c'est bon, j'ai trouvé. Là, si je l'ouvre, par contre, la porte rouge, il y a le zonzon en feu qui va arriver. Il buvait beaucoup de café dans cette maison. Tu viens de le voir passer par la fenêtre ou pas? Non, tu regardais peut-être pas. Non, je regardais pas. Je te conseillerais peut-être plus qu'on passe de l'autre, par l'autre porte, en fait. Tu crois? Ouais, à mon avis. Par contre, faut que tu te dépêches parce que ça arrive. Oh putain, j'espère que le zonzon en feu il va pas venir sur toi. Et là, t'as le train qui arrive. Tut. Ah merde. La SNCF. Le train à destination de. Faut qu'on aille dans le pont quoi. Faut qu'on aille ils dans sont le chouettes tunnel. Les mecs avec leur costume là. Ouais. Ils ont pas l'air commodes. Bon bah allez hein. Tant qu'il y a foot. Allez, on retourne dans le tunnel. C'est quoi ce truc? C'est du poison ça j'imagine. Oh là, c'est fermé d'un coup là. Oh merde, on peut pas passer ça veut dire. Moins que... Non. Dans ton cul, Michel. Non, on peut pas passer par là, ça veut dire qu'il faut prendre l'autre tunnel. Et chier. Là, ils vont penser à tout en plus, ces connards. Bon, par contre, eh, faut qu'on trouve un toit, hein, parce que... Il y a du monde, là. Merde, putain, pourquoi j'arrive pas? Ouf. Ok. Bah oui, c'est vrai qu'il y a notre cher camp de secours. Et hop, zone sécurisée. On y est bien, il fait chaud. Ouais, on y est bien, j'avoue. Bon, bah faut reprendre le tunnel, hein. Attends, on aura fait 2-4 secondes. Ah, oh, c'est quoi le truc bleu là qui vient de s'afficher? Un truc bleu qui vient d'arriver sur la carte. Ah juste bon dans le bâtiment en face, il y a une boutique en fait. Faudrait qu'on y aille, ça va être intéressant. Magnifique le tag là qui a pas chargé en face. C'est beau. Bon bah allez vas-y. Aïe, je viens de me faire mal. Par contre comment j'y accède? C'est bon, forcément. Ah, c'était bien trop facile de faire comme ça. On va aller sur le bonheur, on va aller là. Ensuite, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Ensuite, je sais pas. Pas parce qu'il faudrait aller au-dessus, mais je peux pas aller au-dessus, moi. Ah, bah si. Ah ah ah.
T'as que du matos de qualité, mec. Oh la vache, oui, il a du matos, c'est. Mec, ah il bon a des couteaux et tout. Merde, j'aurais peut-être dû tuer en fait. Ah ouais, non, c'est pas mal ça. Clé à molette, couteau. Katana. Non. Dommage. Il y avait une matraque, mais pas le niveau. Je voulais faire ma mission. Peut-être le prendre le petit couteau là parce que. Ok. Offre limitée. Quoi? Ah! J'adore parce que, en fait, parfois le jeu, le son, il coupe. Ouais. Comme si le jeu, il plantait. Mais pas du tout. J'adore. Putain, bah, le rouleau, si le rouleau adhésif, tu le vends à 4. Ouais, mais non. Non, je vais le garder. Regardez. On va voir le petit couteau là. Il manque pas grand chose pour avoir la batte. Bah, merde! L'arrache-clou. Par contre, il faudrait que je l'ai. Petit couteau. Alors, est-ce que j'ai une meilleure co? Bah, j'ai une bonne co, hein, parce que j'ai la fibre. Donc, ça aide. Mais bon, ça va pas durer longtemps. Est-ce que je peux pas encore vendre des trucs pour. Essaye de fouiller le plus possible, c'est pratique, tu dois juste grimper. Ouais. Rochette les coffres, on peut trouver des armes dedans. T'en sors, Angel? Oui, oui, oui. Ouais, pour l'instant, on n'est pas en temps réel. Enfin, je veux dire, on est pas sur du dynamique parce que. Il est 19h30, mais ça bouge pas. Donc ça veut dire qu'il fera pas nuit. Bonne soirée, Nightzell. Absolument. À bientôt. Bon, bah, tu sais quoi, je vais m'amuser. Enfin, je vais m'amuser. Ouais, ça. Et si on le défonce, on peut pas le piller, lui? Ah non. Pas trop simple. Oh shit. Du coup, Jeff, il est parti déjà. Ouais. Ouais, j'en ai marre de rester au même endroit en fait. Du coup, je suis allé rejoindre Gazi. Mais de toute façon, je pourrais pas avancer tant que tu seras pas là. Voilà, voilà. Bon, bah, j'arrive. Ouais. Je prends le tunnel sous la manche. Je suis dans une zone, il y a aucun zombie, j'ai la paix. Oh putain. Je vais me prendre une bof. Ah bah bravo hein. Bah, je te fais pas dire. T'as les fesses qui font bravo. Voilà, clap clap clap. Bon, la lampe on va l'éteindre, par contre ça sert à rien. D'autres joueurs vous attendent. Appuyez sur B pour voyager rapidement. Ah bon? Ouais. Merde, c'est pratique cette merde. Merde. Bon bah, utilisez. C'est sympa, t'appelles la tarte. Voilà ton film et tes chocolats. Attends que maman voit ça. Gazi a encore gagné. Hourra pour Gazi. On peut tuer Gazi? Il mérite. Bon, je vais devoir passer par le toit. What? On pouvait pas faire ça depuis le début, franchement. Là, ils abusent. Comment on peut passer par le toit? Oh non, dis pas qu'il faut arriver par au-dessus. Faut arriver par au-dessus. Alors, comment on peut accéder à ça?
Tellement c'était si simple. T'sais, il est pas foutu de s'accrocher au volet, quoi. Merde. Non, t'as vu ça? Je te passe dessus, hein, mais... Ouais, pas de soucis. Quel loser. Ah, il y a Antoine Hamilton qui comprend pas pourquoi tu as fait des pronostics WWE. Bah... Pourquoi? Je veux dire, bon, on en fait, hein. Enfin, les pronostics sur la F1, et le catch, malgré tout, ça reste un divertissement et tout, donc pourquoi ne pas en faire? Il y a plein de monde, hein, qui en font des pronos là-dessus. T'as le, en fait, Angel, le truc, c'est, faudrait qu'on arrive à aller là-haut, tu vois, au-dessus, en dessous du sous le pont, de la route, de l'autoroute qui nous passe au-dessus de la tête. Ouais. Une question, c'est comment? J'ai l'impression qu'il faudrait qu'on trouve un moyen de monter sur l'autoroute, mais pas possible, quoi. Oh, si, peut-être. Par contre, ça va être... Comment ça, si, peut-être? Peut-être une idée. Faut que j'essaye. Ah bah, t'as eu... Bon, déjà, t'as eu à peu près la même idée que moi sur l'endroit où aller. Par contre, il y a beaucoup de zonzons et ça me plaît pas, ça. Ils peuvent détruire le grillage? Ça va falloir que je passe. Déjà, ça c'est fait. Ensuite. Yes. Alors. On en parle de la Booze in the Bank de la WWE. Bah en fait, le truc, c'est que j'aimerais bien en parler, mais dans mon prochain épisode de WWE 2017, j'aimerais bien revenir dessus, parce qu'il y a des trucs, il y a des trucs à dire, hein, ça c'est clair. Il y a des trucs à raconter. Oh la vache, le nombre de zonzons qu'il y a sur l'autoroute. Bah c'est départ en vacances, hein, chassé croisé. Ouais, ouais, non, mais c'est clair. Ça, c'est pas cool. Comment je peux monter là-dessus? Sérieux? Là, je tombe, je meurs. Et j'y suis presque, hein. Avec les résultats, non, m'ont pas donné envie de voir les shows. La réaction des gens confirme la lecture du résultat. Pas envie de perdre 3 heures de ma vie. Très franchement. Très, très franchement. Alors, je n'ai pas regardé deux matchs. Parce que ces matchs-là ne m'intéressaient pas. J'ai regardé le Money in the Bank féminin. Parce que c'était le premier dans l'histoire. Et que, du coup, je voulais regarder. Ça a été un match très sympa à regarder. Le final, certains n'ont pas aimé. J'expliquerai dans le prochain épisode. Mais moi, je t'avoue que je... J'aime bien. J'aime bien l'idée parce que ça peut on peut construire des trucs là-dessus. Faut construire des histoires là-dessus. Le match par équipe au début ne m'intéressait pas tant que ça. Et en fait le final les je suis mort. Je suis pas mort. Les dernières minutes du match étaient énormes. Encore une fois à la fin, merde, chier. Un peu gâché la fin, mon goût. Et par contre, le Money in the Bank masculin. Putain, il était bien le match. Il était bien le match. Franchement, il était super fun à regarder le match. Ça me saoule parce que j'arrive pas. Oh, ou alors... Où est-ce qu'il est parti, l'ami Jeff? Ah, mais t'as réussi, toi! Oui, il faut grimper sur les cailloux. Mais merde! Ah, moi, j'ai essayé de l'autre côté, en fait, mais c'est de la merde. C'est pas un bon plan. Je te confirme. Bon, enfin, ceci dit, ça a pas l'air d'être un meilleur plan ici, hein, pour l'instant. Bah, attends, je vais essayer de te suivre. À mon avis, t'es bien plus intelligent. J'ai l'impression d'entendre la même chose tout le temps, des gros matchs avec des fins de merde, c'est lassant. Ça c'est sûr, je comprends tout à fait. Oh bordel de merde. Oh, j'aurais pas dû glisser à l'endroit là, moi.
C'est peut-être l'idée, mais bon. Ah, si, là. On va tenter. En fait. Ah, bah non. Fin de merde, je suis d'accord sur, sur le. Sur le match masculin, parce qu'en fait, il finit un peu comme ça. Et le match par équipe. Mais le match féminin, je sais qu'il y en a plein qui n'ont pas aimé, mais je trouve que justement la fin, eh ben, elle est bien faite. Portel, tu veux que je saute ça, toi? Ah non! C'est parce qu'en fait, il y a un trou, Angel. T'as tout le tuyau, ensuite tu te retrouves sur une plateforme, et faut que tu regardes, il y a un trou pour traverser. Ah ouais, c'est ce que j'ai fait, j'ai sauté, mais ça n'a pas sauté assez loin. Il casse qui fait un heel turn. Ouais, mais ça c'était à Raw hier, oui, effectivement. Bon, ça, tout le monde le voyait venir. Mais oui, effectivement, il y a eu un heel turn. Ah, yeah. Moi, j'y arrive pas. Ah, yeah. Je n'y arrive pas. Ah, t'es mort. Bah ouais. Ouais, alors là, ce qui fait chier, c'est que moi, je suis sur le toit. Non, mais vas-y, je pourrais me TP après. Ah ouais. Bah si tu peux te TP, c'est cool. Bah je pense, hein. J'ai supprimé pour ne pas spoiler les gens, d'accord. Oh merde. Dans l'autre sens. Ah, je l'ai cassé. Bah j'en ai plus. Ouais, du manger. C'est cool le manger. Non, visiblement, non, je peux pas me TP. Bon, c'était un fail cette histoire. De l'alcool. Du manger. La fête est plus folle. Ouais. Ouais d'abord. Ah mais attends, je peux peut-être. Ah oh, putain, j'ai même pas le droit d'ouvrir la porte quoi. Bonjour Gazier. Oh bordel, il est complètement teubé. Ah bon? Ouais. Non bah apparemment c'est bon Angel, t'avais pas besoin de rentrer, j'ai récupéré ce qu'il fallait. Oh putain, il donne des missions secondaires. Est-ce que maman est contente? Maman est très contente. Quasi. J'étais de l'autre côté du mur, du coup j'ai la cinématique. Lol. Dans ce cas, je vais prendre quelques médicaments pour aider mon ami. Yo Geeks! Eh bah, décidément, on aurait eu tout le monde sur le live! Ouais, grave! Wesh! C'est cool, ils nous aiment bien! Merci, Gazi! Oh, oui, on. Nous. On est gentils, tu vois! Eh oui! Non, bah, c'est bon, en fait, il a pas de mission secondaire, donc c'est bon, la mission elle est torchée! Y'a plus qu'à se casser! Et toi, t'étais sur le toit! Attends, j'espère qu'il fait pas des trucs bizarres avec ce machin. Hein. Bah si tu veux, non. Enfin, c'est, quoi, c'est possible. Hein. Donc maintenant, il faut aller rapporter le médicament à Lena et pas à Lana. D'ailleurs, ah bah oui, ici, j'en ai pas parlé du match féminin avec Lana qui a fait son premier match dans le main roster. Bon. Alors tu sens qu'elle a pas beaucoup d'expérience et qu'il faut peaufiner, hein. Mais il y avait 2-3 trucs qui franchement étaient bien sympas. Et 2-3 trucs qui étaient bien sympas de sa part. Cassez-vous les enfants, cassez-vous. Oh merde. T'as pas fouillé la baraque? Bah j'ai fouillé, hein. Mais n'oublie pas, on a un loot chacun. Non mais si, oui. Mais comme t'es déjà bien parti depuis longtemps. Par contre, comment je fuis d'ici, moi? Par contre, j'avoue, je sais pas comment je sors de la maison. Là. Faut que tu ressortes par... Il y a une trappe. Au premier étage, il y a une trappe, normalement. Faut que tu regardes le plafond. Lana est belle niveau tenue et attirance, le reste, c'est du boulot. Bah oui, c'est sûr. C'est sûr.
Bien d'accord, hein. Bien d'accord. Mais bon, en même temps, elle fait ça depuis pas longtemps. Hein. Elle a pas l'expérience qu'ont toutes les autres catcheuses qui font ça depuis je ne sais combien d'années. Déjà pas mal. Elle en a déjà fait plus que ce qu'a fait Eva Marie pendant je ne sais combien de temps. Hein. Tu sais que quand tu ouvres une caisse, le contenu des caisses pas pareil pour l'un ou pour l'autre. Ah bah oui, c'est ce qu'on dit, il y a du contenu pour tous les deux. Il y en a pour tous les goûts. Les goûts et les couleurs. Les égouts et les couleurs. Oh putain de merde. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je viens de me faire choper ou quoi? Ah, tu m'as déjà rattrapé? T'es téléporté? Non. Sérieux? Mais comment t'as fait? Bon, faut aller en face. Allez, on traverse par la route, hein, on se fait pas chier. De toute façon, faut viser le grand immeuble, alors. Merde, j'ai plus d'endurance. Ouais. La femme de mes rêves serait un mélange de Lana, Trisha Tuss, Michelle McCool et Clara Morgan pour un peu de bonne humeur. En termes de physique alors, hein. En termes de physique. Monsieur n'est pas très exigeant. Oh mais non, mais le mec il est fou. Trouver le survivant. Eh merde. Oh putain, c'est une secte. Connard. Tu sauves le survivant ou je m'en occupe? Je suis en train d'éliminer les zombies. Bah je crois qu'il est mort. Ah non, il est pas mort. Aïe! Oh, je suis mal, je suis mort. Ah! J'arrive. T'as plus d'endurance pour Manon. Oh. Ils sont méchants. Je sens que je vais mourir. Oh merde, je suis pas mort! De rien. Bah, merci beaucoup, hein. C'est très gentil de ta part. Attends, hein, moi je fouille les cadavres hein, pour l'instant. Juste le survivant. Où il va? Bon, bah, apparemment on l'a sauvé, hein. Il est parti se planquer, donc comme ça. Alors, on va fermer la porte. Voilà, j'avais remis le courant déjà, donc comme ça, ça fait une safe zone. Ah, parfait. Très bien, ça. Angel, remettras-tu ce live sur ta chaîne? Oui, et vous aurez mon point de vue sur ma chaîne. Dès que le live de Jeff est terminé, le temps du traitement, demain matin, vous aurez la vidéo. Ah voilà, c'est pas beau, n'est-ce pas? Et puis Jeff mettra son point de vue en rediff par la suite. Oh bah moi il va sortir tout de suite après. Je crois que j'ai plus de batterie ou alors j'ai fait une connerie ou alors j'ai fait une connerie. En fait Manon suggérait que tu mettes ton live après, enfin la rediff de ton live un peu plus tard. Ah bon? Le temps que les gens viennent jeter un œil. Ah bah alors je le mettrai au pire, je planifie pour demain midi. Voilà, comme ça, il y en aura pour tous les égouts. Voilà. Allez, on apporte le médoc à Lana, Lena. Us.
Eh, hey, déjà 22h30, hein. Eh oui, le temps passe vite. Oh non. Tu fais un humour très douteux. Ouais, je sais, toujours, comme d'habitude. Comme d'habit. Comme d'habitude. Ça fait bizarre, Jeff, sur ce genre de jeu. Alors que ça devrait être le contraire, quoi. Ça devrait bah être ouais, évident. C'est ça. Et, bah, il a bien fait The Walking Dead, mais. Merde, attends. Comment il s'appelait ce con de jeu que vous avez fait avec Manon? Ça y est, j'ai un trou de mémoire là. Outlast? Mais non, Resident Evil. Ah! Ah bah oui, récemment, oui, c'est vrai qu'on a fait Resident Evil. Resident Evil. c'est où que c'est? Sur le toit? C'est en dessous. Ah merde. Putain, mais les mecs ils font des bruits de zombies quoi. Bravo pour la fermeture du labo d'entrée. Ça te donne quelle impression? T'es 23 ans. Rien du tout. Il faudra pas longtemps avant. On donne pas du tout l'impression d'avoir pris un an ou quoi que ce soit. Les gens les jettent et n'importe qui peut les remplir avec n'importe quoi. Vous devriez commencer à les détruire. On a ramassé toutes les bouteilles de la tour. Et Brecken offre une récompense de $10 pour chaque bouteille rapportée par les traceurs. La boule de freak. Ton anti-épileptique. Ah, merci. Comment ça s'est passé avec Gazi? Il est peut-être un peu bizarre, mais il est gazé. Ce qu'il veut. T'as rencontré sa Ouais, elle avait l'air heureuse. Si maman est pas contente, personne est content. D'ailleurs, Brecken m'a demandé de te passer ça. Avec ses remerciements. Comment? Oh, les 500 sous. Boules. Mâche. Merci. Récompense champion, amélioration d'armes. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Ça, c'est cool, ça. Puis, il n'y a plus de mission à part la quête principale. Eh ben, ah oui, non, fallait trouver une arme à feu. Mais bon, ça... Ça, pour l'instant. Ah, le 3, est-ce qu'on a parlé de NASCAR? J'en sais rien. J'ai vu que quelqu'un dans le Discord m'avait filé une vidéo apparemment de... De NASCAR Heat 2, mais j'en sais pas plus. C'est pas du tout ici. Oh! Bravo. Espèce de gros dégueulasse. As-tu faire un jour le jeu Le Monde de Nemo en live? Le Monde de Nemo? Y'a un jeu là-dessus? Oh bah bien sûr qu'il doit y avoir un jeu là-dessus. Mais non. Bah bien sûr que si. Oh la vache. Bah pourquoi pas? Ah non, 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 je veux pas aller au stade. Je veux pas du tout aller au stade. Pourquoi il n'y a pas de table pour crafter des armes? C'est chiant, ça. Plan sensu industriel. C'est intéressant, ça. Si, je vais prendre ta merde, là. Calmer tout de suite. Alors, il y a des points de compétences que j'ai pas attribués. Faut que je fasse. Alors, c'est quoi? Lancer multiple, coup étourdissant. C'est simple, ça. Merde. Voilà, ça c'est fait. Plan. Putain, mais. Ah, mais oui, tu les fabriques ici. Fabriquer. Hop. Bah écoute, donc du coup, bah le jeu, peut-être. Hein, peut-être que je le ferai. Je suis capable de faire tout et n'importe quoi, donc. Fabriquer un kit de soins. Crochet, je peux pas. Je peux faire un cocktail Molotov si je veux, mais ça m'intéresse pas. Ok. Ça c'est bon. Pied de biche, oh ma biche. Vu la dont tu es. Qui a vu que Carlos a joué le titre mondial en 2018? Ouais, en même temps, c'est bon, il ouvre sa gueule. Comme tout le monde, hein. Quoi, ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est une pièce métallique qui me manque. Merde. Merde. Ah, merde. Alors, c'est merde.
Ils vendent pas des pièces métalliques, eux? Je sais pas s'ils en vendent. Lame de conserve, corde, non. Câble électrique, chiottes. Dommage. Oh! Hop! À mon avis, la censure. On va déclencher la nuit à force dans le jeu. Ouais. Ça va être sympa. Ça se polait bien. Parce que tu te souviens à la fin du... Quand on avait fait tout le tutoriel, tout le didacticiel, là, on s'était retrouvé de nuit, il y avait un zombie tout bizarre qu'on avait croisé. Ouais, je me rappelle. D'ailleurs, il fallait pas y rester sur son chemin. Ouais, ouais. Bah, de toute façon, c'est certain qu'on va se retrouver face à ça à un moment donné. Hein. Avec les armes qu'on a, ça va être cool. Ouais, un cure-dent pour les buter du zombard, ça va être compliqué. Tu m'étonnes. Putain, oh le cut que j'ai maintenant amélioré, il fait peur. Hein. Ouf. Effectivement, il a une bonne tête. Hein. Moi, j'en suis toujours avec mon pied de biche, là. Alors, c'est ici qu'il fallait se retrouver ou fallait encore descendre? Mmh. Ah non, faut monter. Pièce métallique. Ah bah voilà, ça c'est... Oh merde. Une bêtise. Ah, c'est bon. Bonsoir, it's Twixie. PVP. Ici Crane. Au rapport. Salut, it's Twixie. Le boss de la tour s'appelle Brecken. Ce n'est pas votre homme. Votre suspect probable est un seigneur de guerre. Un gars du coin. Prénommé Rice. Il stocke de l'antizine et raquette ensuite à mort tous ceux qui veulent lui en acheter. Je vais en mission pour récupérer de l'antizine d'un parachutage. Si ça marche pas, ils devront trouver autre chose. Bien reçu. Beau travail, Crane. Continuez comme ça et laissez-nous le temps de planifier. Appelez-nous immédiatement quand vous aurez l'antizine. Ok. Bah, on fera ça. Il y a deux onzons hein, dans le bâtiment. Tout en bas. Ouais, comme j'ai entendu parler de pièces métalliques, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion d'aller les récupérer. Tu veux les buter? Salut les filles. Oh putain, il y en a un, il a une arme. Oh joli. Ils sont morts. Bien joué. Marche bien, hein, le pied à coulisses. Non. Hein. Ah non, j'ai cru qu'il y en avait un autre. Ah non, il n'y en a pas un autre. Ah, il y a une petite boîte là. Encore du café. Ah, moche. Ah, puis un coffre là. Oh, bah parfait. Attends, je peux peut-être me faire. Ah, oui, cool. Café, aérosol. Ils doivent être là-dessous. Ouais, c'est ça, il y en a un qui est là-dessous en fait. Ça se trouve, ça se casse. Hein. Par contre, est-ce qu'il est seul? T'es déjà y voir? Tu veux? De toute façon, si tu descends, je descends avec toi. Hein. Putain, je l'ai buté en un coup? Ah non. Bien joué. Pièce électronique. Et des cigarettes. Produits domestiques dans le frigo. Corde. Bon, on est obligé de remonter, hein. Alors. C'est calme sur le chat, oui. Bah, il est tard, fait chaud, hein. Donc les gens sont fatigués. On peut se comprendre. Même nous, hein, tu le sens, hein, là, on est quand même pas très foufou. C'est pas comme d'habitude. La chaleur marche sur nous, hein. Garou. Alors, Jeff et Angel, est-ce que vous êtes content des nouveautés actuellement sur F1 2017? Comme le nouveau volant, etc. Ben oui, après on a hâte de pouvoir tester pour avoir vraiment un avis sur l'affaire, mais puis voir un petit peu comment le jeu va évoluer, parce que pour l'instant
On l'a suffisamment dit au travers de nos vidéos, c'est quand même du work in progress, donc il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Après, d'un aspect cosmétique, hein, essentiellement. Ouais, c'est vrai. Il y a des gens qui se sont cassés les burnes à compter le nombre de RKO à la WWE. Eh là, bordel. Ça m'étonne. Ah. Oh, joli. Putain, je l'ai bien pété celui-ci. Tu viens dans le bâtiment où je suis, il y a des trucs. Plastique. Pièce de fabrication, lame. Ça, c'est bien, ça. Est-ce que je peux crafter une arme? Plan. Hydro a sorti sa vidéo sur fin 2017. Quelle vidéo? Il a fait encore une vidéo avec des infos, de nouvelles infos sur fin 2017. D'accord. Ah, c'est la fameuse vidéo où, en fait, à Arava, on a fait une, et donc Hydro a contacté Arava pour savoir s'il pouvait reprendre ce qu'il avait dit pour en faire une version française. Sympa. Ouais. Donc il me manque encore des pièces métalliques pour pouvoir faire... Merde. Oh, chiotte, il y a encore un mec à sauver. Putain, c'est pas vrai, on va faire que ça. Je pourrais faire une clé à la main. Les trois quarts des livraisons atterrissent au chaudron. Alors si tu commences par là, tu as de grandes chances de la... Bonsoir, Pierre. Comment je vais faire moi? Ah merde! Je trouve un moyen de rentrer dans ce bâtiment de merde. Comment je vais faire? Ah là! Ah bah voilà, je peux fabriquer mon objet maintenant. Bah! Ils sont où? Mais sérieux, mec! Avec mon pont. T'as intérêt à me remercier. Bon. Alors, attends. Oh là, tu m'as fait peur. Quoi? Ouais. Bah oui! Pourquoi? Parce que c'était le grand blanc, puis d'un coup. Oh. Désolé. Allez, tu te fous de ma gueule. Éliminer le malabar. C'est toi le malabar? Malabar? Oh, il est gros! Oh putain, c'est un gros! Eh, donne-moi ma super arme que je viens de fabriquer. Ah, c'est ça? Arme inefficace. Oh non, fais chier. Attends, mais t'es où? J'arrive. J'arrive. Ah ouais, pêche-toi, parce que là, en plus... Il arrive à me taper avec sa massue, je suis mal. Je suis trop loin, j'arrive plus. Oh putain! Oh, il m'a tapé. Il m'a tapé. Ce serait bien d'avoir un flingue. A mon avis, Angel, on devrait pas essayer. Parce que... C'est trop résistant à mon goût. Tu penses qu'on fait pas le poids? Non, je pense qu'on est pas assez résistant une fois. Petite boîte là, si tu veux. Une petite lame. C'est au-dessus qu'il faut aller ou c'est en dessous? Enfin, c'est en dessous. Il y a une zone safe à récupérer. Hop là! On devrait peut-être essayer de la récupérer, la zone inactive, ce serait pas mal.
J'ai le tic-tac qui gratte, mon dieu. C'est quoi le but du jeu? Bah, y a toute une histoire avec de l'espionnage et les armes et tout, rien compris pour l'instant, donc... Pour toi, Dirt 4 est réaliste niveau sensation. Quand tu joues en style simu, ouais, quand même. Pas mal. Merci d'avoir tué ce zonzon. Mais écoute, de rien. Hein. On va se calmer. Oh bah d'accord, elle est morte. Ah toi, t'y vas comme ça, toi. Ouais, moi je suis un peu bourrin sur les bords. Hein. Ouais, remarqué. Hein. Merde. Alors ça peut être fou. Ah merde, je suis sur le piège, moi, comme un... Ah bah voilà, c'est là qu'il faut que j'aille. Non, pas là. Là. Oh, chiotte. Oh. Comment ça, oh? Oh bah, j'ai fait tellement mal qu'il me l'a fait au ralenti. Du slow-mo. Ça a pété. Ah bon? Merde. C'est bon. À mon avis, le live est bientôt fini. Bonsoir quand même. Bonsoir Thomas. Effectivement, ça va plus durer très très longtemps le live. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai trouvé l'électricité. Si tu peux fermer. Je trouve la porte. Oh. Bonne soirée, it's Twitty. Ah, la planque du joueur, ça c'est cool. Ah, il y avait une arme que je pouvais préparer. Et voilà la caisse. Elle a l'air intacte. Ah, t'as trouvé la caisse? On va voir ce qu'elle renferme. Bah oui, je pense. Ah bon, bah écoute, c'est parfait. Bah, va falloir y aller dans ce cas-là. Par contre, là, t'es un peu tout seul, hein. Oui, c'est bien ça qui m'inquiète. Je suis un peu en hauteur, tu vois, pour l'instant, donc je peux pas trop t'aider. Et là, si je saute, à mon avis, je me fais très bobo. Donc, Ah, il faut monter sur une tour. Super. Ah, mais merde, je veux descendre. Le jeu. Je veux descendre. Voilà. Merde. Bonjour. Oh, mais c'est pas vrai. Oh, il veut pas. T'en sors, Angel? Oui, t'inquiète. Ça gère. Oh merde, oh merde, oh merde. Ah, moustique! Oh bah, coucou. Bonsoir. Ah, apparemment, je peux te soigner juste. Attends deux, voilà. Ah, merci. Oh, attends, c'est quoi ça? Donc t'es mort? T'es mort. Parfait. Crochet nécessaire. Merde. Est-ce que je peux en faire? Normalement, oui, je peux en faire. On va faire les deux. On va crocheter ça. Pas faire de crochet, moi il me faut des pièces métalliques, mais j'en ai plus. Non. Allez. Non, casse pas, connard. Ah, oh, putain. Qu'est-ce que ça me gave quand ça fait ça?
Ah, ça fait chier, ça. Allez. Ah, je suis devant la caisse, je t'attends. Yes. Attends, je suis en train de finir un crochetage. Vas-y, vas-y. Va-t-il y arriver ? Oh, il y a une arme. Ah, ah. Un couteau pour moi. Chouette. Attends, j'arrive. Il y aura peut-être un petit truc pour moi. T'as encore un crochetage ? Oh merde. Elle est où ta caisse ? Dans le bâtiment en face, t'as une toute petite. Une poutre. Poutre à traverser. Yes. Ouais, un petit couteau, cool. Et une bourse. Oh, une clé. Allez, cool. Assez cool. Et quoi ici ? Journal de combat. Utilisé. Qu'est-ce que j'utilise ? Saloperie. J'espère ne pas finir comme ce pauvre gars. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, ça peut être une idée. Ouais. Pour réussir à grimper ? Oui. Facile. Ah oui, oui, c'est simple. Ah oui, d'accord, je vois la caisse. Elle est vide. C'est vide. Merde. Oh putain, c'est un, gars. C'est un gros avion, ça. Un gros vion. Ah bah voilà, la prochaine cargaison, tu vas voir qu'ils vont te dire qu'on va devoir aller la chercher. Voilà. Et en plus, ça se trouve, il y aura un chrono, à part qu'on y aille en... Y'a pas un chrono ? Non, apparemment, y'a pas de chrono. Pas comme quoi, hein. Pas la mort. Non, je viens de... Hey ! Rodriguez. Traverse la texture du parachute. Mais oui. Le jeu est réaliste. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le bâtiment ? Non. Allez, vas-y, on va se dépêcher, on va essayer de finir ça quand même, histoire de... Oh, chiotte, pas bon l'idée. Oh putain, enfin, monter sur l'autoroute, ça va être génial. Encore les... Oh là là, il va falloir consulter Bison Futé, encore cette histoire. Ouais. Bon, ça va, apparemment, c'était quand même vert. Jade, les hommes de rail sont arrivés avant moi. Ah putain. Reste caché. Oh putain, le zonzon. Il meurt. Il va nous faire chier. Foncez jusqu'à la seconde livraison. Vas-y, faut qu'on fonce. Quelqu'un ici à F1 2016. A mon avis, pratiquement tout le monde aura F1 2016, mais pas forcément sur la même plateforme que toi. Grave. Putain. Oh putain, il est 20h24 maintenant dans le jeu. Ah bon. Ouais. Il fait plus nuit. Quand je te dis que le jeu... Voilà, tu vois ? Oh merde. J'y suis presque, je peux y arriver. Oh putain, 20h27. Oh. Elle est immédiatement à l'emplacement du second largage. Oh, l'eau, elle est rouge. Comment se fait-ce donc? Oh, censé, elle est où, là? Putain, mais ils sont sur tous les toits. Putain, mais... Ah non, c'est une fusée éclairante. Ok. Oh oh, j'ai fait une connerie. Ah bah c'est bon, ça c'est bon, bien joué. Ouais. Ouf. Merde. Merde. C'était quand même une course, hein. Il y a un ennemi sur la map là avec nous. Où elle est cette putain de caisse?
Il y a un truc chelou. Il y a un mec sur la map. Oh bordel. Jeff, pas de cam, t'es à poil presque. Ah putain, mais t'es mort, j'arrive. Ouais, je suis mort. Moi, des fois, pendant des courses, tout va bien, et boum, pendant 10 secondes, j'aurai une baisse de FPS, et ensuite, tout redevient normal. Suis-je le seul? Peut-être possible que t'en demandes trop à ton jeu. Merde, c'est des virulents! Angel, je suis coursé par un zonzon. Le truc jaune, c'est un zonzon méchant. Faut l'éviter. Dec. Où est cette putain de caisse? Oh merde, il m'a trouvé! C'est bon, il est mort. Où est cette putain de caisse? Putain, je vois rien du tout, hein. J'ai beau regarder. Ah, pareil. Et là, sur le toit en face. Pas de sens. Ça a pas de sens. Ouais. Moi je volais. Ça va venir. Oh purée, elle était là en fait. Non mais je faisais que d'alterner. Voilà. Oh, oh. Une bonne soirée, une bonne fin de live. À tout bientôt. À tout bientôt. Ciao, ciao. Je crois que je suis agressé par les moucherons. User disconnected from your channel. Pourtant, c'est pas la foire hein, ce coup-ci comparé à hier. Putain, hier, je te dis pas. J'allume ma. Enfin, tu sais, j'étais sur l'ordi, j'étais en train de jouer PPR. Et puis, je regardais des vidéos sur mon deuxième ordi. Sur YouPorn. Et. Non, YouTube. Et. Ça faisait 5 minutes que j'arrêtais pas d'écraser des moustiques, des moucherons, tu sais, qui traînaient sur l'écran parce que, bah, lumière. Et ça me saoulait, donc du coup j'ai décidé d'allumer ma méga lampe, tu sais, pour qu'ils tournent autour de la lampe et qu'ils arrêtent de me faire chier. Elle est là, la caisse. Ah putain, elle est là, bien joué. Je lève les yeux, putain, le plafond recouvert de moucherons et de moustiques. Oh putain, quelle horreur. Du coup, tu vois, en gros, bah, minuit, bah, j'ai sorti l'aspirateur et... J'ai aspiré tout le bordel. Quel but avec l'aspirateur? Ouais. Merci de m'avoir soigné, c'est gentil. Je venais de me faire attaquer, mais non. De te faire foutre, la cinématique d'abord. Oh. C'est beau. Jeff, excuse, j'ai une information. Regardez TF1 ou les Belges RTL n'attendaient pas vu que c'est l'édition spéciale. Oui, on est au courant, il y a eu un attentat à Bruxelles, effectivement. Nos pensées vont vers tous ceux qui ont été attaqués et tout le peuple belge. Exactement. C'est de plus en plus souvent et de plus en plus régulier, je trouve. Moi, il veut qu'on foute la merde. Oh putain, ça y est, est-ce qu'on doit faire un choix, genre, est-ce qu'on les détruit ou est-ce qu'on les sauve? Oh, on en a pris une. Ça, c'est... Putain, d'accord, on a même pas le choix. On détruit tout. On détruit tout. Wouah, alors ça. Si les gens ils découvrent. Oh putain, ouais, non, mais les gens ils vont forcément découvrir. Je suis au point de livraison. Y a pas d'antizine. Merde. Oh non, ça y est. Il faut forcément qu'on arrive à. Wow. Ok, bon bah faut fuir. Ouais, faut fuir. Retourne à la tour. Angel. Oui. Cours. Oui. Cours vite. Oui.
Oh putain, il y en a partout. Oh, oh la voix, oh, la vache, il fait mal. Oh putain, oh merde, ta... oh ta race. Oh la vache. Il y en a partout. Oh, je suis... Eh non, mais je... Waouh, mais je suis capote, Angel, t'as pas idée. Ah putain, je le fais en apnée, cette espèce d'histoire de fou, là. Ouh là, je suis mort. T'es mort? Merde. Bah je vais pas tarder à te suivre, hein, je crois. Wouah, mais ils sont super forts, eh. Genre, c'est quoi cette connerie? Putain, y'a un gros, y'a un malabar, là, avec les massues. Ah, je vais mourir aussi. Je vais mourir aussi, parce que j'ai plus d'endurance. Ah, la vache. Ah non, j'y suis. Putain, j'ai trouvé une safe zone. Wouah, j'ai réussi. Oh putain, j'ai eu. Par contre, hey, il traîne juste devant la bâtisse. Hein. Wouah. Jeu de nuit. La nuit, les points d'agilité et de puissance obtenus sont doublés. En échappant à une poursuite de nuit, vous toucherez davantage de points d'agilité. Plus vous passez de temps hors des zones sécurisées, plus vous gagnerez de points de survie. Vache. Cool, j'ai spawn dans la maison moi aussi. Ah. Pas mal ça. Par contre, t'es pas à la tour du coup. Ça qui fait chier. Ouais, je peux pas prendre l'ascenseur moi du coup. Tu sais ce qui pue? Nope. J'ai peur que du coup on puisse pas sauvegarder. Ah, quoique. 450 points. T'as un lit où t'es? Ouais. L'icône d'un lit, bah fais-le. Oui, mais non, j'ai pas sur la map. J'avais un lit sous un vrai lit, mais. Si t'as une icône de lit, ouais, sur ta map, bah voilà. Comment je fais pour sortir de là, moi? Ils sont bons, tiens. Il va y avoir une sortie dans cette baraque. Putain, je vais relancer la clim, moi, dans pas longtemps, là, parce que wow, je suis en train de crever. Pourquoi ils ont remis Sochi en septembre? J'en ai aucune idée. Mais le truc de la facilité de déplacement, c'est finalement pas vraiment bien. Parce que le Grand Prix de Russie, c'est à Sochi, donc c'est près de la mer Noire. Et juste après, c'est le Japon. Et en fait, ça fait un énorme déplacement. Quand même. Ça fait un gros déplacement. Donc c'est pas forcément intelligent. Bakou en avril, what the fuck? Bah, c'est le Grand Prix d'Azerbaïdjan, oui, maintenant. Bah, ça, ouais, je sais pas non plus. Facilité de déplacement, peut-être, parce que bon, Azerbaïdjan, Espagne, c'est pas forcément non plus. Enfin, y'a bien plus près, hein. T'as la Hongrie. C'est Azerbaïdjan, Hongrie, Autriche, Allemagne, France, ou Grande-Bretagne, France, Monaco, Espagne. D'ailleurs, ce qui est pas très intelligent, c'est. Parce que je crois dans le calendrier, t'as donc Monaco, Canada, France. Dans le calendrier cette saison. Enfin, la saison prochaine. Donc ça veut dire que on est à Monaco, on part, on traverse l'Atlantique pour aller aux Amériques, pour faire le Canada, pour revenir en arrière, alors que Monaco et Grand Prix de France étaient très proches l'un de l'autre. Angel, t'es vivant? Je suis vivant, j'approche de la tour. Ah, t'arrives à t'en sortir? Ah ouais, c'est bon, en fait, je pense que c'était dans le scénario du jeu qu'il y avait le rush des monstres. Parce que ah, moi, il n'y a quasiment plus personne. Ah, d'accord. En fait, ça se trouve, tu te fais pas forcément gauler. Là, ils ont fait exprès de se faire gauler, mais ça se trouve, la nuit, tu peux t'en sortir.
Et si tu fais trop de bruit, tu peux te faire gauler par les gros, quoi. Bah, elle est où l'entrée déjà? Tu te demandes ce que le Canada fout là pour leur calendrier remanié. C'est sûr. Et en même temps, le problème du Canada, c'est que t'as une fenêtre où les conditions sont correctes, qui est très fine en fait. Il fait très vite froid. Donc du coup, effectivement, on n'a pas le choix, on est obligé de le mettre au mois de juin. Faut faire gaffe. Alors, ah bah voilà, parfait. On va faire dodo. On va faire jour, ça fait du bien. Ça. Cinq heures plus tard. Oh non, cinématique, t'es sérieux? Ah non, vous avez survécu. 24 heures plus tard? Wow. Ah, fallait bien se reposer. Ah ouais, là, effectivement. Par contre, ça a sauvegardé ou quoi? Bah, je sais pas. Bon, je pense, hein. Là. Non, je comprends pas. Hein. Si ça a pas sauvegardé, c'est la merde. On a fait 5% du jeu. Fréquence des invasions toutes les 3 nuits. À mon avis, ça a sauvegardé, hein, je pense, Angel. Eh ben, il y a plutôt intérêt. Salut, Major 77190. Ah, t'arrives un tout petit peu trop tard. On va arrêter le live. Oh, bah, merci pour le follow, du coup, très gentil de ta part. Eh ben, voilà. Moi, tu pourrais être présent lors des prochains lives. Bon, Angel, on arrête là? Ouais, je pense qu'on peut arrêter là. J'ai fait 2-3 achats. Impeccable. Parfait. Bon, très bien. Eh ben, c'était sympa. Bah ouais, à refaire. Donc, ben vous aurez mon point de vue sur ma chaîne peut-être ce soir ou demain matin. Et puis vous aurez la rediff de Jeff. Normalement demain aussi. Voilà. Voilà. Pétable. Bon. Eh ben les gens, on vous dit à la prochaine demande. Bonne nuit. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah ah. À poil. Merde.